Bonjour, c'est Arcadian. On se retrouve donc aujourd'hui sur un nouveau jeu qui est sorti déjà il y a quelques temps, ça fait au moins 2 ans. Donc c'est Fishing Barency. Donc ici vous êtes à bord de chalutier et vous allez faire de la pêche en mer et en haute mer, hein. On est en Norvège. Donc on commence avec ce vieux rafio, hein, puisque voilà, on commence tout bas bien sûr. Donc je vais vous présenter un peu de gameplay donc avec ce premier bateau avec lequel vous commencez et avec un autre. Voilà, donc là on va faire de la pêche à la palangre. Avec une palangre, c'est-à-dire c'est un filet où on va pouvoir mettre des appâts dessus avec des hameçons. Et donc bah, on va y aller, on va préparer tout ça. Et après je vous montrerai dans les menus les améliorations, tout ça, tout ce qu'on peut faire et les bateaux qu'on peut ensuite obtenir par la suite. Donc ce qu'on va faire directement. On va donc aller à la criée déjà. Hop. Et donc je vais préparer une palangre. Je vais prendre une palangre de 250 mètres. Et je vais donc mettre un appât. Donc sachant que chaque bateau a un quota. Et moi donc au niveau des morues, c'est fini. Je ne peux plus en pêcher. Enfin je peux en pêcher mais je peux pas les vendre. Hein. J'ai commencé le jeu en septembre. Enfin dans le jeu quoi. C'était septembre. Et là on est au mois de novembre. Et donc j'ai fait pas mal de morues à un moment. Il y avait pas mal de morues à certains endroits. Et en plus le prix était augmenté de 20% en plus. Donc ça valait le coup. Mais voilà, j'ai dépassé mon quota. Donc j'ai un deuxième bateau. Je peux toujours pêcher de la morue avec, puisque j'ai pas dépassé ce quota avec ce nouveau bateau. Donc j'ai regardé la carte avant. Donc je vous montrerai, vous inquiétez pas. On va quand même aller hop ici. Voilà, donc ici vous avez les différents poissons qu'on peut trouver dans cette mer. Donc avec les prix en vert. Donc moi je peux pêcher de la morue, de l'aigle fin, du colin et du sébaste. Le sébaste en plus à cette période on n'a pas beaucoup. Le crabe on peut pas à cette période, on peut que début de l'été ou un peu avant. Et le maquereau, faut des bateaux spécifiques. Donc pour l'instant, je ne peux pas pêcher de maquereau. Donc j'ai vu que je pouvais pêcher du colin. Donc on va aller prendre pour du colin. Donc là, hop, je vais prendre donc une palangre de 250 mètres que j'avais déjà achetée. Hein. Donc je peux en mettre 4. Là, je vais en prendre qu'une pour montrer le gameplay. Et donc je vais choisir pour prendre du colin. Donc c'est les verts. Hop. Là, ils ont fait une petite mise à jour. Hein. Le jeu est encore suivi. Hein. Hop, donc voilà. Donc là, j'ai mis un appât spécifique. Donc je vais prendre qu'un filet, qu'une palangre, pardon, pardon. Et c'est parti. Donc là, on va quitter le port. Voilà. Donc avec le joystick gauche, hein, j'avance. Voilà. Alors, faut pas oublier de mettre de l'essence, du carburant. Faut faire attention de pas l'abîmer aussi, parce qu'il faut le réparer, ça coûte cher. Donc là. Je vais sortir du port, on va ouvrir la map, voilà comme elle se présente. Donc ça c'est mon port principal, ici j'ai déjà débloqué d'autres ports, mais bon on peut pas aller à la criée pour par exemple mettre des appâts. Et là c'est ce que j'ai, les zones que j'ai découvertes, hein. Voilà, et la carte fait tout ça. Donc le rayon vert, je vous montrerai, c'est une mission à part. Hop, voilà. Donc là on peut filtrer déjà les zones où il y a du poisson, là le colin par exemple, l'aigle fin, la morue, mais bon ça sert à rien puisque je ne peux pas en vendre avec ce bateau. Là vous avez toutes les espèces et comme je vous avais dit, le crabe à cette période-là il n'y en a pas, et le sébaste il n'y en a plus beaucoup non plus. Donc on va revenir sur le colin, et donc là je vais appuyer sur mon petit ma petite touche triangle, et on va aller dans la zone bien verte ici et jaune. Voilà, hop, et notre bateau va avancer. Alors s'il y a un obstacle il va s'arrêter, hein, ou c'est l'autre bateau qui va s'arrêter. Voilà, donc hop, on va mettre le radar, là on va avancer, je vais préparer quand même pour mettre la palangre à l'eau. Donc là il n'y a pas beaucoup de poissons quand même dans cette zone, ça va peut-être venir un petit peu, on va voir. On va aller doucement. Ouais, on va le jeter de toute façon, pas attendre. Voilà, hop. Donc elle fait 27 mètres, j'ai dit 250 mètres, 25 mètres. Voilà, hop. Donc bien sûr, hein, là j'en mets qu'une pour le gameplay, vous pouvez en mettre jusqu'à 4. Hein. Donc voilà, donc l'heure, il est 14h, on va dire 15h. 15h, donc hop. Pour le gameplay, on va se revenir au port. Hop, pardon, c'est par ici.
Voilà. On va zoomer un petit peu. Et c'est parti. Donc là, on retourne. Donc, il faut attendre à peu près 20 heures pour que notre palangre soit bien exploitable. Hein, donc, en fait, là, c'est rouge et ça va passer au bleu. Donc, on va attendre 20 heures. Donc, là, c'était 15 heures. 15 heures, donc, je suis arrivé à bon port, c'est qu'à le dire. Donc, j'ai mis 5 heures. Hop. Donc, on va se mettre au port. S'arrêter, hop, je vais vous mettre à quai. Voilà, touc. Donc je vais quand même vous montrer en attendant. Donc là, c'est pour l'entretien. Donc remettre du carburant. Je peux changer. Voilà, j'ai mis Arcadoc. Voilà, bon, on le voit pas très bien. Il n'y a pas beaucoup de choix de caméra. Donc là, je peux faire le plein, réparer la coque. Voilà, ici les améliorations de mon bateau. Donc là, j'ai pas mal amélioré. J'avais amélioré le stockage parce que je pouvais pas mettre grand chose. Ça m'est arrivé d'être obligé de revenir, repartir. Et sachant que si vous laissez trop longtemps la palangre ou le filet à l'eau, voilà, les poissons s'échappent ou voilà, ils sont plus valables, donc vous en ramasserez beaucoup moins. Je peux bien sûr améliorer le moteur. Donc à chaque fois que vous améliorez le stockage, n'oubliez pas d'améliorer aussi votre moteur pour qu'il avance. Le radar, donc on n'a pas le choix, j'avais mis un petit radar, c'est pour dévoiler la carte, mais ça dévoile vraiment rien avec avec le chalutier que j'ai là. Voilà, c'est pas la peine. Donc ordinaire quota de pêche. Donc là, je peux augmenter mon quota de pêche. Donc ça coûte très cher, donc je l'ai pas fait. Voilà, tout simplement. Donc là, amélioration du projecteur, c'est pas forcément utile. Amélioration du mât, je pense que c'est pour aller un peu plus vite et avoir un peu plus de stabilité lorsqu'il y a de la houle, par exemple. Parce que quand il y en a, c'est pas toujours pratique de se placer correctement. Et surtout après, pour découper les poissons, je vous montrerai ça plus tard. Donc acheter les bateaux, je vais pas vous montrer ça tout de suite. Ensuite, là je peux acheter un équipage, mais ici j'en ai pas besoin sur ce bateau là. Ici c'est la banque pour faire un prêt. Ici ce sont des missions qu'on peut me donner. Par exemple, ben, vous avez une zone verte tout à l'heure, il faut que j'amène 28 kg de poissons à un bateau de croisière, mais ça vaut vraiment pas le coup de le faire. Et en plus c'est assez loin, donc avec celui-là il me faudrait un temps fou. Donc là, service nautique, voilà, c'est au cas où je tombe en panne. Hop, là on va revenir. Donc je vous avais montré la criée et là c'est mon inventaire. Donc c'est pareil, je peux améliorer aussi mes hameçons avec la palangre. C'est-à-dire que je vais pouvoir, par exemple, si je prends en acier, 4% de poissons plus gros. Voilà, ça coûte quand même des frais. Et comme j'ai un nouveau bateau, c'est pas la peine que j'investisse plus que ça. Là c'est mon couteau qui va me servir à vider le poisson. Donc en fait là j'avais pris celui-là. J'étais jusqu'au caoutchouc. Voilà, vidange 4% plus efficace, je vous montrerai ça tout à l'heure. Et les jumelles, bah j'avoue que les jumelles, je m'en suis pas beaucoup servi. Donc voilà, donc on avait dit que j'étais parti, c'est à peu près 15 heures. Là, c'est déjà 21h, 6 heures, donc il faut 4 heures pour venir. On va dire ça comme ça, c'est pas grave si on se plante. Donc il faut faire un petit calcul. Donc là, vous avez la météo, la carte. Donc j'avais mis 4 heures pour revenir, 5 heures on va dire. Allez, 5 heures. Allez, on va attendre 10 heures. Allez, c'est pas grave si on se plante un petit peu. Voilà. Et donc là, je repars. Donc, alors bien sûr, après, il vaut mieux vous équiper, repartir chercher vos filets, réinstaller en même temps. Ça évite de faire des allers-retours incessants. Mais là, c'est pour vous montrer plus rapidement les choses. Donc là, voilà, il me prévient. Est-ce que vous voulez quitter le port sans avoir mis d'appât? Oui. Voilà. Donc là, je le fais. De cette façon. J'ai aussi la vue première personne. Voyez, donc là j'ai mes jumelles, voilà. Mais bon, je m'en sers pas plus que ça. Ah, je vais me lever, par exemple. On peut déjà, hop, pour un peu le bateau. Voilà, hop. Donc, je vais pas trop vous montrer parce que. Allez, on se rend. C'est parti, on va se rendre à l'autre endroit où il y a les filles, les palangres. Ah, vous voyez, là, ça vient de passer un peu jaune. Voilà, hop, je peux pas aller plus loin. Là, ça, et là, voilà, ça vient de passer au bleu. Donc, c'est parfait. Et si on les laisse trop longtemps, ça va repasser au jaune et ensuite au rouge. Donc là, ça sera pas très bon. Donc, bah, ce qu'on va faire, on va ramasser notre palangre pour pouvoir récupérer notre poisson. Donc là, on va avoir affaire à un mini-jeu.
fois que je me serai placé comme il faut. Donc ça brasse un petit peu là. Il y a un peu de. Un petit peu de vagues. Pas trop non plus. Il y a pire. Là je vais chercher mes bouées. Donc il faut toujours ramasser les bouées à tribord. Donc c'est à droite. Pour s'en souvenir c'est simple. Bas bord c'est à gauche. Tribord c'est à droite. Puisque batterie, tout simplement. Il faut se souvenir du mot batterie. Voilà, on écrit de gauche à droite. Hop, vous voyez ma bouée là. Vous voyez là, il y a un peu de vague là. Ouais, c'est un petit filet, hein, c'est vraiment pour vous montrer. Je vais peut-être pas ramasser beaucoup. Voilà, donc là, hop, je me place. Hop, j'appuie sur X, oui. J'appuie sur le stick pour bien arrêter le moteur. Et là, j'ai un mini-jeu, je vais devoir ramasser. Voilà. Donc là, il faut que j'appuie au bon moment lorsque le rond est assez réduit. Et à chaque fois, hop, j'augmente ma quantité de poissons ramassés de 3%, 4%, 10%. Vous allez voir, hop. Suivant si je fais entre mes... Il y a médiocre. Il y a raté, médiocre, bien et très bien. Excellent. Voilà. Donc là, je suis à 9% par rapport à ce que je devrais ramasser. Et ensuite, après, j'aurai un petit bilan de ce que j'ai ramassé en kilos. Voilà, c'est un petit mini-jeu assez sympa. Enfin, voilà, la pire. Donc, par exemple, si j'étais venu trop tôt ou trop tard, là, je vais faire 15 fois. Je vais ramasser 15 fois mes hameçons. On va dire qu'il y a 15 hameçons. Si j'étais venu trop tôt ou trop tard, j'aurais peut-être eu que 9 hameçons où il y a des poissons. Alors, bien sûr, là, j'aurais pas ramassé 15 poissons, hein, c'est beaucoup plus. On est bien d'accord. Donc, excellent, voilà. Donc là, je suis déjà à 29%. Donc. Excellent. Là. Ouais, bah c'est bien, je vais peut-être arriver à 50% de plus. Ah, 48%. Bon, je m'étais loupé un peu au premier. Donc j'ai ramassé 46 kg d'églefin, 405 kg de colin, c'est là qu'il y avait pas mal de colin, et 108 kg de morue que je ne pourrais pas vendre. Donc c'est très médiocre, hein. Voilà, j'ai mis un petit filet, voilà, c'est normal, pas de souci. Donc éviscération, donc là on va vider le poisson, je suis pas obligé de le faire. Je pourrais le vendre comme ça, mais je vais le vendre moins cher. Par contre, il faut bien que je le vide, si je le vide mal, je peux perdre un peu de sous. Je le vendrais toujours un peu plus cher que si je l'avais pas fait, mais je peux me louper, vous allez voir comment ça se passe. Donc j'ai mon couteau, hein. J'avais amélioré le couteau. Donc voilà, donc là ça va être vite fait, je vais avoir qu'une fois à le faire. Donc ça c'est un aigle fin, il suffit que j'appuie sur X sur la croix. Et en plus vous voyez, il y a un peu de houle. Et essayer de suivre la ligne, mais bon voilà, c'est loupé. Voilà, j'ai que 2 étoiles. Le plus que j'ai pu faire, je crois que c'est 4,5 étoiles. Voilà, je pars un peu en vrille. Voilà, là c'est tout. Donc on va retourner au port. Hop. Ah, c'est vrai qu'on fait pas mal d'allers-retours, mais bon, voilà, c'est un petit jeu, je joue pas tous les jours, hein, mais voilà, petit à petit, j'avance. Voilà, donc le but, c'est d'avoir assez de sous pour prendre les plus gros bateaux. Et il y a pas mal de trophées ou succès à débloquer qui sont assez... C'est faisable, il est platinable, hein, c'est tout à fait faisable. Voilà, donc là, je suis arrivé à bon port. C'est pareil, quand vous arrivez au port, allez pas trop vite, sinon vous pouvez abîmer le bateau. Ouais, j'ai pas beaucoup dans mon stockage, hein. Vous voyez en haut à gauche, hein, un petit trait orange, y a pas grand chose. Bon, ça m'est déjà arrivé de le remplir, je vous montrerai mon historique. Alors, ok, donc là j'ai mon résumé, donc je vais pas me faire beaucoup de sous. Hop, donc je me suis fait 6000 et quelques crédits, hein. On va dire crédit, hein, c'est l'argent de... Et là vous voyez en rouge, c'est ce que j'ai perdu un peu, parce que j'ai mal vidé mes poissons, voilà. Donc là c'est très médiocre, hein. On va dire ce qui est. Donc là je vais quand même vous montrer ce que j'ai gagné avant. Donc là c'est ce que je vais vous montrer. Là c'est la pêche au filet que je vais faire. C'est à dire il n'y a aucun hameçon, aucun appât à mettre. Donc là je me suis fait quand même 162 000. Donc je peux pas aller avec ce bateau. C'est avec l'autre bateau que je vais vous montrer. Là 124 000, 261 000. Là j'avais fait des records de ouf. 144 000, 195 000, 138 000. Voilà, voilà. Pour vous dire que voilà. Et ça c'est un peu le début, au tout début, au tout début. Voilà, j'avais fait quand même 91 000 avec le vieux Rafio là. Donc là juste 1000, 110 000, 115 000, bon il y a eu des hauts et des bas, 32 000, 21 000, il y a eu des moments où il y avait moins de zones, où le poisson était moins présent.
Pendant que je suis dans mes bouquins là, hop, donc ça c'est mes certificats, ça me permet de débloquer d'autres bateaux. Ah, bien sûr, il faut les acheter aussi, donc voilà, ça se débloque petit à petit en jouant. Et ça, c'est les infos qu'on nous donne. Ça, c'est les missions, pardon. Donc voilà, elles sont faites, celles que j'ai acceptées. Et ça, c'est des infos, il faut y aller à chaque début de mois. Ils vous expliquent par exemple, bah tiens, pas de sébaste, donc ça sert à rien de pêcher du sébaste, même si vous en trouvez, vous vendrez pas cher. Et il y a eu une période, par exemple, il y avait une augmentation de 20% sur la morue, donc là, ça valait vraiment le coup. Et bon, je tombais sur des super spots. Donc voilà. Donc, ce qu'on va faire, on va changer de bateau. Acheter bateau, bateau, bateau. Donc voilà, vous voyez mon quota. Voilà, celui-là de la morue, c'est en bleu, donc c'est plein. Donc je peux plus en pêcher. Et donc j'ai pris un autre bateau. Donc c'était, on retrouve le selfie. Parce qu'en fait, je peux pêcher du crabe avec. Alors qu'à gauche, je pouvais pas. Donc il m'a coûté 450 000 crédits quand même. Donc voilà, il faut quand même pas mal y aller. Donc vous voyez, mon quota en morue, j'ai déjà fait facilement plus de la moitié. Voilà, bah, je peux encore faire de l'aigle fin, du colin, du sébaste. Bon, il n'y en a pas à cette période. Et du crabe, il n'y en a pas non plus à cette période. J'ai jamais pêché de crabe. Je sais que c'est avec des paniers, mais je l'ai toujours pas fait. Je peux transporter jusqu'à 8 filets. Je peux mettre les palangres aussi. Et je peux mettre 8 paniers pour les crabes. Mais bon, voilà, j'en ai pas acheté pour l'instant parce que je n'ai pas forcément besoin. Donc je vais quand même aller voir. Pardon, je l'ai pas pris, il faudrait que je le prenne, ça serait peut-être mieux. Voilà. Et donc je vais montrer quand même les améliorations que j'ai faites dessus. Donc j'ai augmenté le stockage parce que franchement que le filet. Voilà, je pouvais pas tout prendre, j'avais pas assez de place dans mon stockage. Donc il a fallu que j'améliore mon stockage. Donc ça m'a coûté un peu de sous. Les radars, bah voilà, ça me dévoile, voilà, comme ça quand je vais en dehors de la map, ça me les dévoile un peu mieux avec ce radar là. J'ai pris deux radars différents, enfin j'ai amélioré deux fois le radar, je veux dire. Et le moteur, oh, tiens, je vais pouvoir améliorer le moteur là, hop, j'ai largement assez dessous. Ok, donc c'est parti, je vais juste regarder. Voilà, donc là mon filet est endommagé, donc hop, je l'ai réparé. Qu'est-ce que j'ai fait? Réparer, oui, voilà. J'ai fait de bêtises. Bon bah c'est pas grave. Acheter un nouveau filet. Donc on va prendre celui-ci. On va prendre un petit. Allez. Un. Voilà. Donc j'en ai acheté un. Voilà. Même deux. Ça sera pour moi plus tard. Donc voilà. Donc on va y aller. Donc on va revenir sur la carte. Donc là je vais pouvoir pêcher de la morue. Ah, vous voyez déjà ça a déjà changé. Hein. Ça y est, ça commence à disparaître. Donc on va pas faire bah, de l'aigle fin, on va y aller. Hein. On va aller là, c'est pas bien loin qui plus est. Donc une fois qu'on a posé nos filets, ils disent d'attendre 9-10 heures. Et en fait, moi je trouve. Voilà, il faut attendre quand même un peu plus que ça. Alors je pense que c'est suivant la taille du filet qu'on met. Donc on verra comment que ça se passe. Non. C'est parti. Je quitte le port. Voilà, il fait du bruit. Allez, on ouvre la carte. Hop, c'est bon. Et on va voyager rapidement. Voilà. Là, je vais mettre mon radar. Là, je vais préparer, hop, pour mettre à l'eau le filet. C'est de la houle un peu. Hein. Je sais pas si c'est de la houle ça, je connais pas trop les termes. C'est de la houle. Allez, on va le mettre, tant pis. Ah bah j'en avais deux, bah, j'en avais quatre. Bon, on va mettre celui-là à 75 mètres, ça ira plus vite. Alors là j'ai un mini-jeu, donc il faut que je reste le plus possible droit. Donc je joue avec le stick gauche pour équilibrer, oui gauche pour équilibrer, donc je le mets de gauche à droite. C'est pas évident. Pour essayer de garder une vitesse constante, c'est pas évident.
Bon, parfait, parfait. Voilà, là il est balancé. Bon, c'est un petit filet. Hein. Voilà. Et donc là, il est 20h, on va dire 21h. Bon, je vais quand même vous montrer l'intérieur du bateau. Voilà. Ouais, on va se lever un petit coup quand même, on a le temps. Hop, donc là, ça va être pour ramasser avec le filet, mais il va falloir que je prenne un membre d'équipage. Là, c'est mes filets que je peux encore mettre. Voilà. Et là, ce sera ma planche à découper qui est ici. Allez, hop, on revient au port. Hop, déjà on va refaire, parce que là, j'ai pas... Donc là, vous voyez, les bouées sont rouges pour l'instant. Alors, est-ce que tu veux ou pas? Voilà. Hop. Donc on a dit 21h. Donc vous voyez, il m'a fallu, c'est bon, il m'a fallu une demi-heure pour y arriver. Hop. Voilà. Ça, je vous dis, c'est pas la méthode à faire, hein. Faut mettre beaucoup plus de filets là, c'est vraiment pour montrer le gameplay. Ok, donc là je vais attendre 15h, on va dire ça comme ça, parce que eux ils disent 8-10h, je vais attendre 10h, allez, parce que là il m'a fallu une demi-heure pour revenir, ça va quoi, il faut moins de temps qu'avec l'autre trafio. Voilà, et donc là je vais regarder sur la carte la couleur de mes bouées, c'est toujours rouge. Je pense qu'ils se sont plantés. Donc là, moi je vous conseille, hein, dès le début, on vous demande si vous voulez faire tuto, faites-le. En plus, il vous donne un peu de sous. Et ici, vous avez le wiki, donc tout est expliqué. Les premiers pas, affichage principal, certificat. Vous avez les différents poissons expliqués. Par exemple, la pêche au filet, voilà, j'avais jamais fait. J'avais fait à la palangre, mais j'avais pas fait au filet, j'avais pas de tuto. Donc je suis allé là-dessus et tout est expliqué. Voilà. Alors, où est-ce que c'était marqué ? Il reste devant la longueur pour les filets de pêche. Plus le filet est long, plus grande est son envergure. Convient de laisser un filet de pêche au moins 8 heures en mer avant de le récupérer. Il faut moins de 30 heures. Il faut y aller déjà dans les moins de 30 heures. Parce que là, vous voyez, j'ai attendu 10 heures. Ouais, ça n'a pas l'air d'être. C'est toujours route. Donc on va encore attendre un petit peu. Donc faut pas hésiter à aller sur le wiki pour vous informer. Hop, je me suis trompé. Voilà, ça commence à changer de couleur. Tu vas y arriver ou pas? On va quand même attendre 2 heures. 4 heures, allez, c'est bon. Bon, allez, hop, on y go. On quitte le port. Donc là, c'est pareil, hein, je prends rien de plus. Hop, hop, hop. Pas évident à manipuler celui-là. Là. Vous voyez les glophins déjà là, il ouais, n'y a plus de. Hein. Ah c'est bleu, vous voyez. Je vais y arriver ou pas? Hop, donc là c'est parfait. Donc là par contre, j'avais déjà. Attends, on va s'arrêter. J'avais déjà embauché donc un employé. Normalement. Ah non. Merde. Ah, qu'est-ce que j'ai fait, équipage. Bon, faut que je retourne. Désolé, je me suis loupé sur le coup. Bon, c'est pas grave, ça sera peut-être plus bleu quand on va revenir. Tant pis. Ouais, c'est pas grave. J'avais oublié de préparer mon équipage. Moi, j'ai besoin que d'une personne, hein. Ah c'est pareil, hein, il peut pas travailler 24 heures de suite, hein, s'il travaille 24 heures, voilà, à un moment faut qu'il se repose le loulou. Voilà, donc équipage, comment c'était fait déjà? Ah oui c'est là, et ben voilà. Donc il est là, lui, donc j'avais le choix que d'un. Alors payez 21 heures pour engager votre... non, à bord, non. Maison d'équipage, voilà, c'est là qu'il faut aller, parce que je vais pas en prendre un. Renvoyer, non.
pardon. Retourner à Selfie, donc retourner, se reposer, voilà, hop, donc lui il est là, donc il est à bord, il n'y a pas de souci, hop, et donc là, désolé pour le petit aller-retour, donc là j'ai récupéré mon équipage, on réouvre la carte, touc 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 touc, ouais là c'est vert, bon c'est passé de vert à, de bleu à vert. Donc je vais ramasser moins de poissons, c'est pas bien grave. Donc là, je vais choisir mon équipage. Toc, toc, toc. Voilà, et je vais le mettre à l'âge du filet. Ah, pourquoi il veut pas? Ah là là, attends. Qu'est-ce qui se passe là? Ah mais je sais pourquoi. Voilà, ça ira mieux. Faut que je le sélectionne. Voilà, je l'avais pas sélectionné. Attends. Ah, ils ont changé un petit peu là, parce qu'on n'avait pas besoin de sélectionner bizarrement. Donc voilà. Alors là je recule, c'est pas grave, je peux pas conduire. Et puis voilà, je vais pinailler un peu. Donc oui, le jeu a quand même est sorti il y a un petit moment. Et donc il y a encore une mise à jour il n'y a pas longtemps, donc c'est bien, c'est suivi. Là par contre, hop. Donc la bouée, elle était donc ici. Donc oui, j'ai besoin d'un équipage, mais il y est, hein. Il est sélectionné normalement. Vous voyez, elle est dehors là, vous le voyez. Bien se placer, mais bon, c'est pas bien grave. Allez, hop, c'est bon. Voilà, et là, pareil, j'ai un mini-jeu. Donc, hop, il suffit de toucher sur les bonnes touches. Ouais, j'ai pas regardé. Oh là là, pourtant, il n'y a rien de compliqué. Alors là, il faut que je le fasse 15 fois. Si j'avais été dans le bleu, je l'aurais fait 12 fois, il faut que je le fasse. Si j'avais été dans le bleu, j'aurais fait 15 fois. Donc là, on peut dire déjà que je vais ramasser moins de poissons. Et en plus, je me plante. Ah, il y a un petit message, je veux dire, il n'est pas apporté, mais bon, je sais pas pourquoi. Pas été très bon hein, là, mais bon, tant pis. Hop. Voilà, donc 885 kg d'aiglefin, 806 kg de colin, 1 100 tonnes de morue. Et un Sébaste. Et Sébaste, vous voyez, comme quoi, il est bien rare, donc c'est pas faux, ils ont bien fait leur truc. Ouais, c'est bien, pour un petit, avec un petit filet, franchement, voilà, c'est bien. On va pas se faire des... Donc, éviscération, donc je pourrais mettre mon gars à l'éviscération, mais je vais le faire moi-même, comme je suis très bon. Alors, là, c'est de l'aigle fin. Hop. 3 étoiles, pas trop mal. Ah, presque battu mon record, 4,5. En fait, le but c'est d'aller de la croix de gauche à la croix de droite en essayant de suivre bien les pointillés en allant pas trop vite, pas trop doucement. Voilà, c'est pas évident. Bon. 10 kilos de Sébaste. Hop. Et voilà. Donc maintenant, on va retourner juste pour toucher le pactole. Voilà. Obstacle, bien sûr. Ouais, j'ai rempli un peu ma... Enfin, faut voir, je suis à combien là. Là, je peux mettre 15 tonnes de poisson. J'en ai 3 tonnes. Hein. Il me reste 11 tonnes de libre. On peut aller voir copain.
Ouais, il est là tranquillement. Par contre, faut pas que j'oublie de le mettre en repos. Oh là là, pas mal. Donc comme je vous explique, c'est pas là je vous montre le gameplay, c'est pas la méthode à faire, hein. Faut mettre beaucoup plus de filets. Voilà, il faut bien regarder les horaires à laquelle vous les laissez. Vous laissez vos filets. Pour avoir une pêche optimum. Ok. Donc voilà. Et donc là je me suis fait 59 000 avec un petit filet, donc c'est très bien, c'est bien, avec un petit filet, franchement. Et en plus voilà, j'étais pas dans le bleu, hein. J'étais dans le vert quand j'y suis allé, j'ai laissé un peu trop longtemps. Donc voilà, je vous ai montré le gameplay avec la palangre et avec les filets, voilà, c'est légèrement différent. Je vais quand même vous montrer les bateaux qu'il y a. Ah, moi c'est la complète édition, maintenant je crois qu'ils ont sorti le jeu avec la complète édition, donc vous avez, je sais plus quel nom... un DLC, et vous avez le DLC avec le crabe qui n'était pas avant, voilà. Donc je vais vous montrer quand même les différents bateaux. Voilà, Toby, celui-là, déjà on commence à taper dans le million. Voilà, celui-là c'est celui-là que j'ai, le Sharky. Hop. Et vous allez voir que bah, y en a un que pour le crabe, il fait 4 millions quand même. Hein. Donc moi avec le selfie, je peux prendre du crabe, hein, y a pas de souci. Et celui-là, il fait 2 millions, 3 millions, 14 millions. Donc avec celui-là, vous pouvez prendre que le macro et du colin. Voilà, donc c'est verrouillé parce que j'ai pas le permis pour l'avoir. Et il coûte pas loin de 15 millions. Donc verrouillé, vous devez parcourir encore 5 km avant de pouvoir acheter ce bateau. Ah bah ça va, mais bon. Je vais pouvoir les faire les 5, mais il faut 14 millions quoi. Donc vous voyez, il n'y a qu'un bateau où on peut ramasser, pêcher du maquereau, quoi. Voilà, c'est celui-là. Et donc il est très cher, donc ça sera mon but, moi, de prendre, d'arriver à ce bateau. Pour pouvoir dire, on va compléter le jeu, quoi. Donc, bon, comme vous avez pu voir graphiquement, hein, c'est pas super, hein. Voilà, il y a un peu de neige, hein. Là, on est un peu en hiver, donc c'est bien respecté. Quand je vous ai montré la carte, donc là, on peut voir la météo, ça peut servir, hein, quelques fois. Donc la carte est assez grande, hein. Je vous ai pas montré comment dévoiler le radar, mais bon, il suffit d'avancer avec votre bateau, puis ça fait des petits ronds là, comme vous voyez, hein, tout simplement. Donc j'avais fait une mission, j'avais été bah, justement avec ce bateau jusqu'au bout là-bas pour découvrir le pont, le port là-bas au bout. Vous voyez le petit médaillon jaune. Et donc j'avais une mission, il fallait que je ramène, il me mettait je sais plus combien, 200 kg de poissons dans mon stockage. Et il suffisait que je le ramène ici à mon port principal. Je ramassais 50 000 crédits. Je l'ai fait, mais par contre je pouvais pas me téléporter. Donc je l'ai fait, il m'a fallu 10 minutes pour faire 10-12 minutes pour faire ce trajet là. Donc on peut imaginer que c'est un peu long quand même pour tout faire. Voilà. Donc voilà pour ce petit jeu Fishing Barents Sea, hein, vous avez la version complète édition, elle est à 30 €, moi je l'avais en promo un petit peu, je sais pas quel prix. Donc voilà pour cette petite présentation, j'espère que ça vous a plu. Moi je vous dis à bientôt, bon week-end, allez ciao ciao, bye bye.